Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Transport Fever 2. Bon, on n'a plus de problème d'argent. J'ai réglé aussi ici. Alors, on a une valse de camion assez impressionnante. Bon, quoique non, ça va, ça bouchonne pas. J'ai réglé ici le problème. Alors, c'était pas le fait de mettre deux plateformes, c'était simplement le fait ici de mettre un retour à Adano en fait. Ils vont charger ici, décharger et recharger la nourriture ici. Et redécharger la nourriture ici, recharger ici. Et j'avais mis un deuxième arrêt, donc il était obligé de faire un autre tour pour revenir à l'arrêt. J'ai aussi mis une ligne de, j'appelais ça Adano nourriture soutien. On récupère les céréales ici pour les emmener ici. Je vais pas regarder les taux, mais j'ai fait en fonction de, voilà, regardez le train, attends. On est plein. Donc on équilibrera un peu plus tard. Alors aujourd'hui, on va modifier... Encore une fois à la gare, et j'aimerais lui mettre, je sais pas si c'est possible, j'aimerais mettre des rails de passagers de ce côté. Si, voyons voir, si je défais ça là, on va le mettre de l'autre côté, c'est pas grave. Ouais. Tu te mettrais là. Ok, tu vas me détruire des bâtiments. Tu me dis quoi, supprimer? Bon, c'est pas dramatique. Attends, on le mettra à la fin, ça. On va mettre des rails ici. Non, pas des rails. D'abord, voilà. Non. Ok. De passagers, voilà. Ça va permettre de desservir tout le nord de la map. Sans avoir à passer par faire des croisements au niveau des rails ici. Voilà, donc ça nous fait quand même 4 quais de passagers. Ça me paraît suffisant. C'est dans quoi? C'est dans divers. Ah, tu me le fais comme ça. Intéressant. Et attends, si je t'emmène de l'autre côté. Excellent. Oh. Oh, mais attends, mais c'est génial. Alors attends, si j'enlève ça. Que j'enlève ça. Tu me les enlèves les deux carrément. Bon, enlève les deux. On va refaire. Ça va faire une gare juste immense avec ça. Donc si j'en mets... Oh... Est-ce que vous saisissez un peu la beauté du truc? Pourquoi tu me le fais pas là? Ah. Excellent. Ce truc. Donc si je mets un bâtiment de marchandises, on va mettre un moyen, ouais. J'ai pas envie d'avoir... Ah, quoique je peux le mettre là en fait. Si je mets un grand. Ça c'est quoi principal là? Tac. Divers, je voulais... Alors par contre, ouais, je vois plus du tout ce que je fais dedans. Hop, on va faire la même chose de ce côté. Histoire que les gens puissent traverser la gare sur la largeur. Tac, et on a un truc magnifique, quoi. J'adore. J'ai la souris qui bug. Excellent, excellent. Putain, c'est magnifique. Oh, je suis fan. Bon, ok. C'était pas le... On va pas y passer 2 heures non plus. Alors, première chose. J'aimerais vraiment emmener plus de personnes à Fuji. Alors, on va commencer par... Bon, on peut le laisser en vitesse x1. J'ai réduit la vitesse du temps par 2. J'aimerais ici... Alors, une gare de passagers.
On peut mettre 160 une seule voie, je pense que c'est un terminus, on n'a plus rien de l'autre côté. Hein. C'est quoi F? Ouais. Ok. Bon, on a les passagers ici, comme ça on n'a même pas besoin, ouais, on va faire ça. On n'a même pas besoin. Voilà. De mettre. De faire toute la devanture, j'ai envie de dire. De la gare, on n'a pas besoin de faire de lignes de bus. Normalement, ils seront connectés, on en fera plus tard quand la ville aura grandi, mais on a un peu de temps avant d'y arriver. J'ai un peu trop tourné. Voilà. Tac. Bon, en fait, je vais me connecter direct. On se connecte. On se connecte là. Et on va juste faire même ça, ouais. Et ça suffit. Tac. Quoique, attends. Ah, mais là, j'ai juste un aller-retour. Ouais, non, va falloir doubler ici. Pas ici, je me suis connecté du mauvais côté, je crois. Voilà, comme ça on va mettre un aller-retour. Comme ça, ouais, ça me paraît bien. Tac. De toute façon, oui, peu importe. Tu t'arrêtes là, ouais. Peu importe le sens. Et on va mettre quelques signaux, hop, comme ça. Alors ici on va faire un truc là au niveau des rails, je vais avoir la place, voilà, tac. Alors ici on va doubler ce train, on va voir pour le remplacer. S'étend à une vitesse folle, sincèrement. Qu'est-ce que ça arrive vite là. Ah oui, d'accord. Elle a fait ça comme ça, ok. Oui, je sais, t'inquiète pas. Alors je sais qu'il va falloir refaire cette gare parce que j'ai pas mis du 320 mètres. Quoique, attends, elle me paraît grande. Non, mais je crois pas. Je crois pas que j'ai du 320 mètres. Bon, c'est pas dramatique, hein. Il y aura pas grand chose à refaire, mais à terme, je pense qu'il va pas avoir le choix. Ok, alors ensuite les signes, on revient. Là, on n'a pas besoin de croisement, donc on peut arriver jusque là. Ok. Tac. Montre-moi les lignes. Donc moi je veux la bleue. Non. Le train. Non, le train. Non plus. Voilà. Donc Fuji. Fuji no Miya. Oui. Et on rajoute 8. Ok. Là, change de terminal. Non. Ah oui, attends. 8 et après tu passes par... là. Ok. On est bon. On est bon. Donc cette ligne, on va juste rajouter la dernière ville. Non, pas Tui, oui.
Ok. Très bien. C'est un peu spécial, ouais, bon après, les couleurs là. Alors, juste montre-moi. Ah ouais, littoral, c'est vrai qu'il y avait, il y avait le conflit de vitesse hein, avec les trains de carburant. La classe Berus, on va changer, on va mettre... on va remplacer du coup. Celle qui fait du 80... Attends, j'ai un doute. Littoral, on a quoi? On a là la Bauer, ouais. Ah, la Bauer, ouais, c'est ça, 80. Est-ce qu'on a une autre loco à 80? Ah ouais, t'as... Ah non, la traction... Non, la traction, je dis des bêtises. 60... 90... ouais, non, bon, on va remettre de la Bauer aussi. Hein. Donc là, on avait 8 de... 8 wagons citernes. Est-ce qu'on a eu de nouveaux wagons? Ah, ça c'est wagon citerne. Ça c'est wagon citerne. 56. Donc 7. Ah, on a mieux. D'accord, donc on peut en remettre 8. Ça nous fait une capacité de 72. Très bien, on augmente en même temps. Voilà, là, il devra accélérer. Logiquement. Ah, elle va être capée finalement par... ouais, médiocre. Bon, après la ligne est grande, donc... Je me dis que... Elle va l'atteindre sa vitesse maximale au bout d'un certain temps, mais... Combien de temps elle va mettre? Surprise. Alors... On a deux villes ici, un peu plus on va dire ici, trois, on a ensuite, attends je voulais voir, t'attends encore toi, ouais bon faudra le modifier, ça faudra faire je pense, la ligne de camion qui fait ça, ça, faudra juste faire une ligne de train qui fait la navette. Et on alimente à mort en céréales ici. Alors on a une grosse ville ici. Le but du jeu va être de ramener tout ce beau monde vers Fuji. Donc ce qu'on pourrait faire, ce serait une ligne de train qui ferait Odawara, Oyama, Kobe, Moji et Fujikawa. Et une navette qui fait Kobe, Tsuru, ouais, ça ferait ça, ok. Et ensuite d'ici, alors ça serait de Kobe le transit pour ensuite partir direction. Ouais, non, sinon on fera de l'avion ici pour ça. Ah, ça sera peut-être mieux de l'avion. Donc on va déjà connecter Nanbu et Isumi. On va agrandir un petit peu. Non, il n'y a pas besoin. 160, ça suffit largement. Après, les villes sont tout petites. Hein, ouais. Bon, ça fera toujours un peu plus de personnes à transporter. Parce que c'est vrai qu'on transporte énormément de marchandises, mais en termes de personnes, bon, on n'est pas très haut finalement là. Donc, alors attends. Ouais. On va faire une. Pas une terminus. On va se mettre ici, je pense. Une. Tac. Alors attends, je vais arriver. Ouais, par là, on peut y arriver tranquillement. On va se mettre du coup là. Voilà. Alors il va me mettre le message, vous n'avez pas connecté vos gares. Je tape à côté là.
Ok. Voilà, on a plein d'argent, on en profite. Hop. Très bien, alors ici, on va faire quelque chose de très simple. Tac, voilà. Il va nous falloir de quoi faire une ligne de bus ici. Mais en une de chaque, si jamais ça pourra servir. Oui. Voilà, on va mettre des petits arrêts. On va faire juste une ligne, ça suffira amplement. Voilà. Tac. Non. Nouvelle ligne. Il est à fond sur le rose. À toutes les lignes que je crée, là, il met du rose partout. Ok, et tu reviens. Ok, on est à Nanbu. Bus. Nanbu gare. Ok. Un petit dépôt. Tac, tac. Ah oui, on est là, j'ai débloqué là tout début de la. Juste avant que je prenne l'enregistrement. Le poste bus, on le connaît. Mais. On prend le Dux. Il prend plus de personnes. Hop, tu pars sur Nanbu. Très bien. Ok. Ensuite, ici. On va faire les arrêts. Ce sera fait. 1, 2, 3. Hop, voilà. On va essayer de tricher un peu, voilà. Ensuite ici. Voilà, hop. Ok. On est à Isumi. Et voilà, encore du rose. 2, 3, 4. Et tu reviens, très bien. Très très bien. Donc nous sommes sur bus Isumi Gare. Ok. Tac, un petit dépôt. Mets-le ici, pourquoi pas. Idem. Bon, je tape large au début, je sais, mais on n'aura pas besoin d'y revenir plus tard. Vous partez sur Isumi Gare, ok, là on est bon. Et on va connecter du coup maintenant au niveau. Ah, si j'y arrive, faut vraiment que je change le souris. On va connecter direction Fuji. Alors attends, parce que. Tac, voilà. Ça fera un peu moins d'icônes. Ouais, ça paraît assez propre. Ouais, non, si c'est bien. Je passe dans la forêt. Ouais, on peut rester droit. Il va garder sa vitesse et ensuite on va commencer à tourner. Ouais, comme ça, très bien. Tac.
Ensuite, on va repartir d'ici. Alors, déjà, on va faire l'aiguillage. Ok. Et si je fais ça, est-ce qu'on a un truc propre? Mais carrément. Carrément, très bien. Et alors, on va doubler maintenant. Tu veux pas? Bon, il avait du mal avec le passage à nouveau. Est-ce que je peux pousser plus loin? Où est-ce que tu perds le fil? Bon, ça va aller vite à cette ligne. Allez, allez, merci. Tac. Et du coup, je pensais pour les locaux, on peut tester les KB. Vous savez, ces grosses locaux noires là. C'est un mode, hein. Elles étaient déjà dans le premier, dans mes souvenirs. Tac. Et logiquement, ouais, ils attendront un peu en gare, mais c'est pas très. Enfin, pas en gare, ça m'étonnerait même qu'ils attendent. Voilà, on va faire ça comme ça. Ici, on va reprendre l'extérieur certainement. Ouais, ça me paraît bien. Tac, on va s'arrêter avant la route. Voilà. Allez, on met les signaux. Ok. Ici, on s'arrête, disons là. En train de réfléchir où est-ce que je vais faire ma ligne de TGV. Possiblement. Est-ce qu'on a assez de distance là avec Tsuru? Parce qu'après, c'est vrai qu'on a la mer qui va nous bloquer. Attendez, je finis ça, on regarde après. Et ici. Tac, tac. Ouais, c'est suffisant, ok. Je crois qu'il y a un gros bonhomme. Ouh, ça a explosé cette ligne. Ok, bon, on va regarder ça juste après. Et donc, ben on est pas mal. Il nous faut une nouvelle ligne. Tu vas en remettre du rose, du violet. T'as déjà mis, mais du rouge. Un. Deux. Trois. Et retour direct, sans passer. Ah, mais si, de toute façon, tu t'es obligé de passer par là, donc ok. Isumi, tu reviens. Ouais. Voilà, c'est pas mal ça. Très bien. Donc, Fuji, Isumi. Fuji, Isumi, Nanbu. Tu me l'as mis où, là? Fuji. Isumi. Et Nanbu. Hop, voilà. Est-ce que mon dépôt peut alimenter? Oui, je pense. On va mettre deux véhicules. Donc je pensais, voilà. C'est pas KB, KK, STB, voilà. Donc c'est les mêmes, hein. On est d'accord. C'est le modèle qui a l'air de... 90, on peut essayer. On se fait pas mal d'argent. Sinon à la russe, ouais, non. 90 et toi? Ah, 80. Quelle est la différence? Effort de traction, puissance. On va prendre la plus puissante.
Ok, passager, donc il nous faut du 90. Alors, on a celle-ci, 100, 110, 80, 80, 80. Ok, on va être limité. Hein. Bon, évidemment, pas le corail. Hein. Ah! Capacité 10. T'es énorme et tu prends que 10. Ah non, d'accord. 1. 14. Bon, en même temps, c'est le même, c'est la même dénomination, donc... Donc là, ça fait... Mince. Oui. Vends-le. 1, 2, 3, 4. On est à médiocre à 4. Il en faut combien pour du bon? Ah ouais, non, c'est... Ok, on va pas y arriver, donc si je vais en mettre 4. On en met 2. 14 millions, go. Et vous partez sur la ligne... Fuji, Isumi, Nanbu. Ah alors, ça donne quoi ça? Ah, je m'attendais à un truc plus moderne, mais ok. Putain, elle a de la gueule cette loco, je trouve. Dans une certaine mesure, elle fait penser... à la loco dans Retour vers le futur 3. Celle qui devient en fait une... Ce qui remplace la DeLorean. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Ami de l'environnement, bonjour. Non, ça fait des vues magnifiques ça. Hein. Et 90 km/h pour l'instant, c'est notre loco la plus rapide. Tac. Pourquoi t'es passé là? Il y a un bug là. Ah bah oui. Eh bah oui, forcément. Ok, alors on va lui permettre. On va le mettre sur le bon. Sur la bonne voie et ensuite on va lui. On va supprimer le rail. Voilà. Tac, super. Bon, du coup, tu roules à gauche. Est-ce que c'était ça? Non, mais c'est pas très grave. Non. Il y a son copain qui arrive. T'as encore une nouvelle loco. D'ailleurs, ton copain il est où? Est-ce qu'il est sorti? Train 12, ouais, c'est ça, il est sorti. Bah, je vais te remettre ici. Hein. Comment j'avais fait ça? Non mais je suis trop près du... Ok. Toujours trop près. Mais qu'est-ce que tu me dis courbe impossible? Je suis là. Bah ouais, pourquoi tu voulais pas dans l'autre sens? Mystère. Oh non! Attends, si on se décale encore, il est où le point? Pas y arriver. Hein. Alors, on a dit qu'on partait d'ici. Je l'ai fait tout. Ah, voilà. Donc on va attendre que sa copine arrive. La voici. Et on va resupprimer l'oreille. Elle commence à y avoir un flot de passagers ici, là, regardez. Pourquoi tu t'arrêtes? Il y a un train? Non. Qu'est-ce que tu fais? T'as disparu. Ah non. Il attend parce qu'il y a un train certainement
quelque part par là. Oh purée. Presque quand il l'a enlevé lui. Vas-y passe. Mais non. Espèce de débile. Allez. Merci. On détruit ça et on est bon. Voilà. Alors ça marche comment? Il y a du monde. Il y a du monde cool. Ok. Et ici, ouh là, mais il y a déjà 49 personnes qui attendent, génial. Et toi? Super, super, il va déjà être plein quasiment. Excellent, et de ce côté? personnes, ok. Je pense qu'il est temps de revoir notre ligne, non, de revoir nos véhicules plutôt. Alors on avait la V, enfin 5, classe 5, type 1 russe. À vapeur, alors on avait débloqué une dernière loco, celle-ci. 75 km/h, les coûts de fonctionnement je les trouve pas excessifs hein. Très bien. Et passager, pardon. Donc du 75. Bah très bien, 80, 36. Ouais, c'est pas si lourd que ça. On est à 35. Et quoi que attendre. Ah non. Je mets un peu de tout pour qu'on voit un peu tous les véhicules. 72, ça me paraît pas trop mal. Sachant qu'on va doubler le train de locaux pour 3 gares. Hein. Toi t'es quoi? Ah oui, les outils. Ok, non, je cherche. Hop, à toi, tu fais du 90, excellent. Alors on va te suivre. Ok, on entre en gare, 1,3 million, boum, et tu repars pas à plein, mais c'est pas très grave, vaut mieux avoir un peu de marge, impeccable, et donc je cherchais sur cette ligne, il est là. T'as oublié beaucoup de monde quand même, mais t'as ton collègue qui devrait arriver et on devrait être bon. Ouais, voilà. Impeccable, impeccable. Et non, oui, c'est vrai qu'on s'arrête pas, on repart direct à Fuji. Parce qu'on sous-entend que, évidemment, tout le monde veut se rendre à Fuji. Beaucoup moins, étonnamment. Peut-être parce que le trajet est plus court. Mais on commence à avoir une gare vraiment, vraiment empruntée. Regardez. C'est normal qu'il y ait plus de monde ici parce qu'on a la littorale et on a la l'autre bout de la littorale, on va dire. Celle-ci, la bleue, là. Mais sinon, voilà, c'est pas trop mal. Non, attends, je voulais voir, je me perds dans mes lignes. 51, ça va. Sachant que, ouais, tout le monde peut se rendre à la gare, c'est très bien. Ici, on a personne, ouais. Ça va être une autre... Ouais, je vais pas y aller parce que la carte s'est pas chargée, je suis resté dans cette zone là avant de prendre la vidéo. Donc là, c'est à peu près fluide, mais pour le reste... Et là, on a toujours de l'attente. Oh ouais, non, mais là, c'est plus possible. Ah! C'est plus connecté. C'est plus connecté. Alors, attends, juste pour voir si je fais ça. On va avoir des soucis, oui, forcément.
Vu que ça augmente la vitesse, est-ce que ça permet de connecter? Eh non, quel idiot. Quel idiot. Ouais, j'ai même pas regardé ça. Faut évidemment que ça connecte. Voilà. Allez, on bourrine, c'est pas grave. Ouais. On va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Hop, ok. Donc évidemment, là-bas, tu produisais plus, bah oui. Eh oui, il y avait plus de demande. Bon. C'est pas trop mal, ici il va vraiment falloir à terme faire un gros hub de pétrole qui t'emmène en avion, en train, un peu de partout pour ensuite redistribuer sur toute la map. D'ailleurs il y a longtemps que je peux aller voir les... Ah ouais. Encore une nouvelle loco, on va changer juste les véhicules ici. Et tu me mets ça tout noir, voilà. Ok, donc il y a toujours... Ouais, il y en a toujours en attente. Et ici, on en a 22 en attente, bon ok. Très bien, allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On a une belle gare, une très belle gare. On a une ville qui se... Ah, qui grandit, qui n'arrête pas. C'est excellent, c'est juste excellent, je m'éclate. Je m'éclate vraiment. J'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder que moi à jouer. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut à tous.